c'est à filmer, n'hésite pas. Ouais. Voilà. Ok, parfait. On est en live. Vas-y. Hop, on va faire un petit tour. Dites-nous si le son il est bon sur le live, il y aura des gens. Donc là on a la manif avec David Leloup. On va essayer de le retrouver. Où est-ce qu'il est ? Il s'est envolé. Où est monsieur David Leloup ? Il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop vous embêter par rapport au live. Au maximum. Voilà, hein, comme vous voyez, on est tous tranquillement. La manif va bientôt commencer normalement. On se prépare. Alors je vois vos commentaires, hein, n'hésitez pas si vous si l'image n'est pas trop bon ou s'il y a des problèmes de son, ce genre de choses. Je vais essayer de trouver David Leloup qui s'est envolé. Donc normalement ça devrait être un live un peu test. On va essayer un petit peu voilà, de se balader dans la manif en même temps que David fasse ses discours. Voilà un petit peu. On va voir si c'est un format qui vous plaît, qui marche bien, qui est sympa aussi à faire. Voilà, vous voyez, ça se prépare un petit peu, vous voyez, un petit peu tout le monde. Je vois vos commentaires. Salutations David, j'espère que ça va. Merci. Dites-moi si le son est bon parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai mis un petit micro en bas qui est un petit peu protégé par le vent, mais... Bon, si ça coupe un petit peu, vous me dites. N'hésitez pas à faire des retours. Voilà. Donc tout à l'heure, hein, on va parler un peu avec les policiers. Vous voyez, ils sont là-bas tranquillement. Je ne sais pas si vous voyez au fond un petit peu. Salut tout le monde. C'est bon pour le son? Super, nickel. Super. Alors David m'a passé la caméra, m'a dit de faire le live et je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Donc là-bas là, au fond, je sais pas si vous voyez bien correctement là, les policiers. Donc ne vous inquiétez pas, hein, on va les rejoindre tout à l'heure, c'est prévu. Il y a beaucoup de vent, il y a vraiment beaucoup de vent. Il y a pas mal de gens aussi qui sont en train de venir. Au début il n'y en a pas beaucoup mais là ça commence à en avoir. Donc c'est bien, c'est pas mal. J'essaie de parler un petit peu, interagir avec vous, hein. N'hésitez pas à commenter, à faire des remarques, je pourrais vous lire. Alors, je m'appelle Alban, donc je suis la personne qui est en train d'aider David en ce moment. Je vais tourner la caméra, je vais faire en mode selfie. Hop, allez, ultra proche la caméra, donc je sais pas si on me voit correctement, voilà. Donc voilà. Pour l'instant, on attend un petit peu que tout le monde se pack, se rejoigne. Voilà. Et à la recherche du loup aussi, hein. J'aimerais bien savoir où est le loup, là. On a passé la caméra et il s'est barré. Pour Amine. Ah ouais, il y a quand même pas mal de monde, hein, quand même. Hein. C'est... Voilà, il est là. Voilà. Il est passé devant moi, je vais juste attendre un petit peu. Voilà. Votre star, le loup, est là. Donc là-bas, hein, au fond, ils sont là, ils sont préparés. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, on va les rejoindre tout à l'heure. Un quart de tour Merci des commentaires, c'est pas mal. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, effectivement, j'étais de travers.
Je pense que c'est mieux comme ça. Ok, super. Merci des retours. Super, merci Alain. C'est ça, le loup se prépare pour partir en vadrouille, exactement. Ah, c'est pas mieux ? Ah bon, pourtant sur la caméra, j'ai pas l'impression. Enfin, sur le retour, j'ai l'impression que c'est bon. Merci Jeda. C'est pas bon. Mais comment ça, c'est pas bon ? Qu'est-ce que vous voyez ? Ah, c'est lui qui a. Tiens, filme ça, c'est magnifique avec l'artiste. Alors attendez, je vais filmer l'artiste. Avec l'artiste, j'arrive. Dites-moi en même temps, je vais vous montrer un artiste. Hop, je vais me mettre là. Une perche aussi qui n'est pas la mienne, donc j'ai l'impression qu'elle s'incline un petit peu. On va aller voir Manuela tout à l'heure, vous inquiétez pas. Là il y a aussi une artiste street qui fait de la bombe. Pas que je crie trop fort le mot bombe parce qu'avec les polices à côté, peut-être que ça va pas le faire, mais bon, ouais, c'est la bombe. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, je vais aller voir vite fait David Emanuela, David qui est là, juste là. David, ça va? Un petit mot pour le live quand même. Oui, bonjour, je vais acheter ça, je manque 5 euros. Ah, il va acheter une œuvre de cet artiste. But I have only the... Is possible? Oui, il manque 5 euros. Ah, j'ai pas de monnaie en plus. Ah, c'est super 5. Sympa ce qu'il fait. Hein. Oh ouais. Ah non. Yes. Ah, il est Taïwan, artiste taïwanais. Voilà, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va s'agresser pas assez. Un torticolis, qu'est-ce qui se passe avec la caméra en fait? C'est parce que c'est. Est-ce que vous préférez comme ça? Ouais, mais je dis c'est dans l'autre sens. Ah, d'accord. Là, comme ça, alors, du coup. Vas-y, montre son travail. Il montre là, les trucs, là, qui est écrit, là, par terre. Attends, je suis en train de regarder, parce que, du coup, comme ça, c'est mieux ou pas? Ah, d'accord. Ah, c'était comme ça. Ah, d'accord. J'ai absolument pas compris qu'il fallait tourner l'écran pour vous. D'accord, ok. Alors, du coup, ça m'arrange pas trop pour le live, mais... C'est pas, on va faire avec. Désolé tout le monde, alors du coup, ouais, je comprends que ça vous fasse un torticolis. Je comprends. Super, super. Ok. Là, prends ça. Ouais, t'inquiète, je fais. Donc là, David, il va acheter une petite œuvre. Hein. Je vais acheter ça. C'est avec la musique, les petits bols tibétains. Vous l'entendez bien ? Je sens qu'il va me faire quelque chose de fou. Ouais. Regarde, le film. Ouais, je filme, t'inquiète pas. Approche-toi. Tu sais, c'est pas évident avec le sac et tout. Hein, mais sans le sac, du coup. Bon. Hop. Si vous avez un bruit qui résonne, c'est normal parce qu'il y a une sorte de bol à côté aussi. Juste ici. Hop. Donc c'est normal. Emmène-la, même si Macron ne veut pas, nous emmène-la. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur,
on va aller faire un petit coucou à Manuela. Plutôt le processus, c'est plus important que moi, là. Moi, avec ce qu'ils chantent, on m'entend pas. C'est plus intéressant. C'est parlant. Regarde, oh, it's beautiful. Yeah.
you're beautiful. I am Wolf. There I am. Wolf of France. Do a blazing car. One more. Take one more. Blazing car. Taking one. For you. Hey, il aurait pu faire un peu. Et tu sais? Ah, thank you. Just one. Rendez-vous dans le futur. Et demande-lui qu'il te fasse un loup là sur ton. Ah! Non, man, oh, sorry, il thank you. Tu veux pas un loup? Ça, c'est la cité d'or. Regardez le loup. Oh, ouais! Et là, il y a madame, il y a madame. Et là, regarde! All right. Ça, c'est moi! Là! Ça, c'est quand vous mettez très en colère, votre pouviasse! Oh, it's beautiful, beautiful. It's beautiful, beautiful. I love this. I love this. Oh, I love you. I love you. Non, c'est un chat. Là, on va voir les cloches. Le son est OK pour vous. Je vais là-bas, il y a David qui va parler un peu avec la police. Pourquoi parler de chapa pour vous en plein vol ? Est-ce qu'il y a des gens pour se promener ? Résistance, liberté ! Résistance, liberté ! Il sera à côté des millions d'euros. Darmanin, démission. Darmanin, qu'est-ce que j'annonce réaliste? Faites en sorte qu'Elisabeth Borne ne pose pas dans Playboy. C'est vrai. Ni Roselyne Bachelot. Quand même. On arrive vers la fin. Darmanin, démission. Où sont t'es pas idiot, mais j'en ai acheté tout du une. Très bon investissement. C'est que je viens d'un ridard africain pendant des années. Du terroriste Darmanin. Moi, je suis une galiste, hein, pas une gilet jaune. Démission. Je voyage. J'adore le papier. Ça va? Et ça, vous le savez très bien que j'aime le papier. C'est pas la peine de foutre vos gars. Qui défendez-vous? Personne par terre, nous. Darmanin, démission. C'est bien aujourd'hui. Nous. Pas beaucoup. Nous. Ouais, donc il y a vous, les petits jeunes. On paye des impôts pour la police. On dit merci qui? Merci Alexandre. Oui, on a. Tu vas se mettre à ma retraite, je serais pensé d'acheter un dessin. C'est difficile à entendre, c'est bien. Non, parce que juste je réponds à une personne du live qui dit que bah, c'est un peu compliqué. Des fois, on n'entend pas très bien à cause des gens. Attends, viens, on va le dire à Manuela. Ouais. Manuela ! Effectivement, je sais très bien que des fois, c'est compliqué avec les gens, les tambours et tout ça. Bon, je remets hop devant. Là, je t'ai dit, tu vas les sortir parce que tu achètes à ce mec, tu te fais.
fait une fortune. Et de côté, un artiste très célèbre. Oh, mais chérie, on nous a pas nous, mais on va. T'as pris ton assurance en l'appareil. Maman, t'as investi 20 euros, t'en gagnes 10 000. Parti là-bas. Bon, espérons qu'on va attendre un peu mieux. Là, on a un peu éloigné en plus des tambours et tout ça. Vous préférez aller chez Ikea? Ah, là, je pense qu'il y a beaucoup de vent. J'étais avec la main même. J'ai beaucoup de tapis. Hein? Et partout la burqa. C'est ça que je kiffe. Les hommes mesquins. Bon. Oh, aujourd'hui, ça va être une journée exceptionnelle. Qui avait fait. Bon, ça prend un peu de temps à partir là, la manifestation, mais bon, au moins on a pu voir un petit peu la police. Vous avez pu voir. Allez, on y va là, les drapeaux ont été construits. Merci à tout le monde d'être là. Donc ils marchent pour la fête. Avec drapeau blanc. Donc on va certainement être provoqués, insultés. Et il faudra qu'on reste très dignes. Puisque c'est une marche pour la paix, on ne répondra pas aux insultes, on ne répondra pas aux provocations qui ne manqueront pas d'arriver dans les 2 ou 3 heures qui arrivent. On va marcher pour les victimes de cette guerre qui n'ont pas demandé, quelle que soit leur couleur de peau, leur nom, leur prénom. D'accord ? C'est tous des victimes et nous on marche pour eux pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Point barre. D'où les drapeaux blancs. Alors on va commencer à y aller parce que les esprits vont s'échauffer là quand on reste trop longtemps sur place. Hein. Faut y aller. Attends parce que le camion il n'y a pas encore fait. Alors, où est David ? Je vais remettre hop, la caméra de l'autre côté comme ça. Et on va chercher le petit David. David qui est parti. Bon, je sais très bien que le son doit être, pas être facile, mais bon, on essaye de faire un peu ce qu'on peut. Puis en plus, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Je sais pas si ça se voit vraiment le vent, mais je pense pas. Mais il y a beaucoup de vent. Ouais, je suis à peu près de la caméra aussi, que je m'éloigne un peu. Voilà. On a dit de façon qu'on peut comme Macron, c'est plus facile à bon. Macron est occupé toute la journée, c'est plus long que le tambour. Bon, David. C'est bon, Aziz. Ça va, David? Bah, écoute, je dis où est-ce qu'elle est la fortune Ça va? Ah, bah, t'es en train de faire ta pub? Bah, non, pas du tout. Quand je te vois pas, j'ai pas filmé n'importe qui. Bah, si. Là, t'as bien filmé quand même l'artiste. Ah, oui, j'ai filmé l'artiste. Alors, les filles, rendez-vous cet après-midi au Wall. Pour vous acheter un petit chef-d'œuvre, c'est un artiste, un très grand artiste qui est là et c'est une occasion en or. Ouais. On a plus voilà, de voix, extrêmement coté. Ah oui, je le dis à tout le monde, personne n'a 20 ans. Comment assurer sa retraite, bonne déconne. Aucun coup, la marque de culture, tu. Vraiment beaucoup de temps à partir hein, de la manif. Bon, voilà. On va un petit peu parler. Les gens parlent pas. C'est hallucinant que pas me refuser la richesse. Ce que vous aimez votre pauvre. Sortez, c'est bon. Sortez les matraques. Non, mais c'est vrai, hein, vous montre des trésors dans vos yeux, vous ne voyez pas. Vous aimez qu'est-ce qu'il y a de pire. Comme Morgan Lloyd de Make-up. La nouvelle chanteuse, star du R&B. Ouais, tu peux. Ils sont prêts. La terre. Ouais. Alors, tu vas assurer ta retraite.
extrêmement coté aussi. J'avais une gorgée d'art africain, d'art contemporain. Et j'ai eu un DAE en histoire de l'art. Il y a quand même eu des marchands. Normalement, l'émission. Où sont les 3 millions du fonds Marianne? Où sont les 3 millions du fonds Marianne? Comment se fait-il que dans l'émission qui raconte en parole? Tu connais ou pas? Tu sais lire? Le camp des saints. Normalement, l'émission. Même si Macron ne veut pas, non, on est là. Chéri, bénis le mec. Donc lui, c'est incroyable. Chéri, c'est un 20 balles. Papy, assure ta retraite, paye 20 balles le truc, tu gagnes des milliers d'euros. Non, c'est des rinques. Comme j'ai dit aux flics, on va monter 13 ans, vous les voyez. Je ne pourrais pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Vous avez vu, vous m'écoutez jamais. La pingrerie, la sottise, le manque de culture. Vous êtes là tout le temps en train de me faire chier, quoi. Vous me faites chier. Voilà. Et ferme ta gueule. Jamais. Les bourrés. Aujourd'hui, il va se faire virer par les flics. Ouais, j'ai bien l'impression. Alors, je vois les commentaires hein, sur le live. N'hésitez pas à faire des retours par rapport au son et à l'image. Hein? Non, je parle au live. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je leur demande de faire des retours avec. Ah oui, dites-nous si le son est bon. Là, on essaye aujourd'hui que c'est un test. Ils sont un peu trop viril près des flics. C'est plus des militaires que des flics. Je mets la caméra comme ça pour pas non plus qu'il y ait trop de visage. Bon bah voilà, on est en train de marcher avec Amani pour la commencer. Beaucoup de bruit hein. Ah, j'ai dit il y a beaucoup de bruit. Ah oui. On peut rien faire. On va essayer de pas trop être à côté des bruits hein. Non, ouais, ils n'entendent pas le coup, hein. Des fois ça. On a le bonjour de Aurélie, Isabelle. Oui. Tu as un bonjour, voilà. Gros bisous les filles. Tu sais, je réponds pas à mon message. Ah. Ok. Thank you.
Ah ouais, t'as pas filmé. Bonjour Isabelle. Voilà, on est en plein manif, hein. On est là, hein. Alors les filles, allez vous chercher pour 20 balles un dessin. Taïwanais, là, on nous a montré devant le Louvre. Ouais, super beau, hein. Magnifique. Pas que ça, c'est un très bon dessin. Oui, ah, ouais, c'est ça. De coup. On va changer ici. C'est pas intéressant de filmer des tambours. Bah non, c'est bien ça le problème. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut essayer de meubler. On revient dans quelques instants. Non mais c'est vrai. Tu veux qu'on coupe? Ouais. Bon c'est bah pas intéressant là. On va couper et puis on va relancer plus tard. Tu préfères continuer encore un peu? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Bah écoute, pour l'instant c'est assez stable. On a quand même 30 personnes qui nous regardent. Ouais, n'oubliez pas de partager, hein. Partager, ouais, effectivement. Et un petit bon d'usage, ce serait sympa. C'est... Sur Lydia, c'est ça? Ouais, faut que je rentre en Alsace. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup de choses qui m'attendent. Je change de niveau. C'est super, ici il y a des buffalo. Ça fait des cris d'enfer. Est-ce que ça va par rapport au son? Est-ce que vous l'entendez, David? Quoi? Demande ce qu'ils t'entendent. Ah oui, ça c'est pas sûr. Oui, parce qu'avec le bruit qu'il y a autour, plus les tambours, plus les chants, c'est compliqué. Les gens, ils aiment. Pour l'instant, ils consomment. Ils entendent. C'est ça. Il faut être plus militaire quand même. Hein. Ils t'entendent bien, ça va. Ils en veulent pour peu. Par le Vatican, hein, le Vatican, celui-là qui dit qu'il représente les catholiques, et il autorise le mariage gay. Non mais ça va la tête là, réveillez-vous là. Le pape, le pape. Qu'est-ce que je fais? Ça s'appelle une inspection de la... Les Israéliens, ils descendaient dans la rue, ils manifestaient contre lui. Les trois pays qui veulent la guerre, tous les trois, leur diligence et des usines à mer, et leur peuple, ils en veulent plus. Ok? Donc voilà, c'est pour ça qu'ils veulent déclencher la troisième guerre mondiale. Je regarde avec petit blaze. Ouais, ça va pas être juste la Palestine. Après, c'est lui qui va décider, il va nous payer où on est prêt, là-bas, on est en Arménie. Toi, tu seras plus sage que de rien. Là, les Américains, ils veulent faire l'ordre mondial. C'est sous leur domination. Et nous, on n'est pas sous leur domination. Ils sont pas avec les Américains, en tout cas.
qui va vous faire un coup de fil. Voilà, c'est bien bleu. Et en plus c'était naturel. Merci pour ceux qui ont partagé, j'ai vu dans les commentaires, merci beaucoup. Et oui, on fait attention. Que vous entendez bien, au moins c'est le principal. C'est que des loups. Ça regarde bien quand même. Ouais. Oui ou non? C'est témoin. C'est témoin. Ultra diplomatique mystique. D'accord. Ouais, je vais vous mettre tout en live. Tu feras un petit live pour ça? Ouais. Peut-être que je vais ouvrir une spéciale chaîne juste pour les aventures du loup. Les aventures du loup? Ouais, pourquoi pas. Une chaîne des aventures du loup. Le loup à bord de la plage. Le loup avec son sac à main faire du shopping. Hein? Ah, une petite banane à boire. Non, ça va. Plus tard. Ah, tu viens dans mon cartable. Dans mon cartable. Ouais. Ah bon, là, j'ai gagné des milliers d'euros, je suis trop content. Ouais. À côté des bols tibétains avec les messages à moi. Je dis à tous les gilets jaunes et tout. Hein. Ben, concrètement, les gens ne sont pas capables de gérer la véritable richesse. Vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et en fait, la véritable richesse, déjà, c'est qu'est-ce que c'est l'abondance? C'est un flux en continu de solutions. Ouais. Un flux continu en solutions. Ah, regardez la colombe. Donc, prochainement. Prochainement, en fait, tout le monde m'accompagne pour aller à la Gare de l'Est. Bonjour, bonjour, mademoiselle. Merci Alain. Regarde le long de la rue. La grande truanderie. Regarde, je vois si vous voyez là.
Elle est pas mal celle-là. Merci Alain, c'est super sympa. Merci. J'essaye hein. Il y a même plein de flics à 50 km. Avec cette flic. Merci d'être là. Ouais, t'as vu leur badge? Un loup, non? Loup-garou. Ah, j'aimerais bien le filmer, mais je pense que ça va être compliqué. Mais effectivement, ils ont l'écusson d'un loup. Plus précisément, d'une louve, d'ailleurs. Non, j'ai largement gagné. En fait, c'est une mauvaise langue. Avec moi, vas-y, ferme ta gueule, quoi. J'écoute les érudits, ceux qui vont m'apprendre quelque chose. Et concrètement, j'ai pas besoin de tes jugements, j'ai pas besoin de tes analyses. Si je les veux, je les entendrai déjà. Et si je passe à côté, c'est que je devais passer à côté. Et c'est tout. Mais à l'heure actuelle, j'ai trop de responsabilités. Pour les histoires d'égo, de femelles, mal baisées, qui croient pouvoir me manipuler tel un hétéro, m'infouter le doigt dans le cul. Fréquenter est très mon cul. Ça va bien, on savons un couteau et on avance. Crois-moi que là, je vais t'avoir gagné que la nouvelle mission qui m'attend. À tous les militaires qui me reconnaîtront. Allez, guerriers, les guerrières de la lumière. Nous sommes en constante illusion. Mais là, ils attendent juste pour entrer dedans. On a. Le monde s'est divisé en deux. Le machin est là. Pardon. Il y a eu 50 000 victimes, des effets secondaires, des injections Covid. Que fait la police? Policiers, vous êtes le peuple, pas l'oligarchie. Vous n'êtes pas Moresquin, vous n'êtes pas Darmanin, vous n'êtes pas Moretti. Vous êtes des gens honnêtes. Concentre. Vous êtes le peuple. Vous n'avez Laisse pas concentrer. À combattre le peuple. Policiers, rejoignez le peuple. Vous êtes le peuple. Pas l'oligarchie. J'ai gagné. Ah, dommage que vous ne voyez pas la réaction. Hein. Il est mort de rire. Bon, ça a compris. Darmanin, démission, scandale, et encore des scandales. Nous sommes ici devant tous les illusions. Réveillez-vous, arrêtez de faire semblant. On vous raconte n'importe quoi. Darmanin, fait n'importe quoi depuis 5 ans. Ce ne sont que des scandales. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de porter les masques, nous faire vacciner, arrêtez d'écouter des gens qui vous mentent à permanence. Ça tout le monde. L'après-midi, ils sont tous tapés sur la gueule, le soir, ça nique les camps de la partie. Nous sommes devant plus d'illusions. Réveillez-nous. On vous raconte que des conneries. Darmanin, Moretti, PSK, Sarkozy ne sont que des reprises du site. Que fait la police contre Pierre Salmane? Que fait la police contre Sarkozy? Que fait la police contre DSK? Absolument rien. La police épargne les travailleurs français.
c'est dommage parce que Loulou là, il fait un bon numéro, c'est super marrant. Ils sont morts de rire. J'espère que vous avez un peu entendu. C'est avec l'autre à côté, Kiki, avec son mégaphone. Je disais que c'était super marrant, ils étaient morts de rire. Et j'espère qu'ils t'ont entendu parce que l'autre à côté avec son mégaphone là. Je sais pas. Hein. Mais franchement, vous auriez vu la réaction de certains, ils étaient morts de rire. Hein. Bah tu les as, tu peux les montrer. Je peux les montrer. Ok, ça marche. Bon, je vous montrerai un peu plus ça. Mais pas non plus trop voyant parce que je sais que c'est pas super pour eux non plus. Faut essayer de respecter aussi hein, des deux camps. Hein. Ah, ils ont fait une petite bague assez cochonne et c'était mort. C'est que des loups. Ah ouais, c'est ça, c'est dommage, ouais. C'est ce qui me semblait, Alain. Merci pour l'info. Ouais, l'autre, il était à côté, il disait n'importe quoi. Au moins, vous avez un peu les images. Holy West, je sais pas trop, c'est un genre de commentaire que je pourrais pas vraiment vous dire. Non, je réponds en commentaire, mais je sais pas trop quoi dire à ce commentaire, donc voilà. Le commentaire dit grosso modo que c'est une perte de temps, qu'il faut profiter de sa famille parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Ouais. Ce qui est pas faux non plus, hein, attention. Oui, c'est vrai que c'est toujours la même chose, c'est toujours une répétition. Darmanin, démission. Darmanin, démission. Darmanin, démission. Mais malheureusement, ça dessert la cause. C'est ça qui est dommage. Enfin, moi, c'est mon avis. Darmanin, démission. Bonjour, Lily. Ah, ça comprend, on s'est pas compris. On commence à pleuvoir. Alors c'est pas rappelé là. En fait, c'est l'art et la manière de tout dire en disant rien. Hein, c'est parce que vous n'avez pas les révérences, les références. Vous êtes des idiotes, vous n'avez pas étudié, ben c'est de ta faute. Oui, tu suces. Encore une qui suce pas. C'est pas personne a envie de se montrer, hein, clairement. Après, on va croire vers là. N'inquiétez pas, Manuela va très bien. Enfin, elle est fatiguée, mais elle va mieux. Elle reprend, ne vous inquiétez pas. La police est déprimée. La police n'a rien pour ce qu'elle fait. Appelons le gouvernement. Je suis entièrement d'accord avec vous.
les tambours, le son. Hein, ça dessert la cause. N'importe quoi, mais. Ah non, pas du tout. Ils disent que les tambours, les slogans, toujours la même chose. Ah non, mais je parlais du Mac. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, on n'arrive pas à s'exprimer en fait. Ça empêche réellement des gens de s'exprimer, de se rencontrer. Ça crée un état d'hypnose, un état dépressif. Voilà, on peut pas échanger. La plupart du temps, elle veut que je jure pour qu'on m'entende avec ses tambours de merde. C'est des tambours de merde. Là. Plus personne les supporte. Jaune et bleu. Jaune et bleu, pas mal. Ah, pas les tambours de merde. Elle défend mon escorte. Si encore elle c'était joli. Elle défend mon rétif. Ou alors poétique. Ouais. Hein, poétique. Je fais la police. Elle tire sur les gilets jaunes. Voilà, bon, bah. Bon. Ça, c'était avant, connasse. Ouais, le problème, je vais vous montrer, il est en train de vraiment desserrer la cause. Je fais la police. Il est là et. Malheureusement, on peut absolument rien faire. Et je suis pas sûr que vous entendez correctement à cause de lui. Hein. Non. Alors, en parallèle, il y a énormément de monde. Faut pas dire que ça qui tient. D'accord. Ouais, j'irai. J'adore le contrôle de soi. Je les teste beaucoup. Hein, je vous teste tout le temps là-dessus. C'est un vivre leur première classe. Exactement. Les slogans comme étaient bien il y a longtemps. Moi, ils vont pourvu qu'elle soit douce. Oui, effectivement, hein, je suis d'accord, il y a une certaine, un certain rituel. Je parle de tous les langages, donc c'est normal que pour, des fois vous êtes choqués et tout, mais pour certaines personnes, pour certains clans, certaines mentalités, certains cerveaux, il faut s'exprimer différemment. En fait, je vous parle dans plus de 253 types de langages différents. Ce qui est quand même assez incroyable. Tous les langages. Policiers. Vous ne pouvez même pas ça. Avoir parlé de ce ça et les autres, à votre tête. Je suis un hypomaniaque. Ta gueule, tu ne passes les couilles. Je peux parler. Voilà, on travaille au corps, là, malheureusement. Ah voilà, solution. Vous préférez peut-être moi. Hein. Vous êtes le peuple, pas l'oligarchie. Policiers, vous êtes le peuple, pas l'oligarchie. Vous n'êtes pas DSK, vous n'êtes pas Darmanin, vous n'êtes pas Sarkozy. Vous êtes le peuple, pas l'oligarchie. Policiers, vous êtes le peuple. Vous n'avez pas à matraquer le peuple. Vous n'avez pas à éborder les travailleurs français. Policiers, vous êtes le peuple. Elle est pas mal, hein. Allons-y, merci. Fismaqué. Vous êtes là pour protéger les Français. Tiens, ça me... On se demande quand est-ce que vous le faites. C'est un nouvel matraque. Moi, c'est grâce à obligatoire. Policiers, vous êtes le peuple. Je vais écouter ma grand-mère et ma mère. Bon, la grosse bagarre, elle a commencé. Ah si, j'ai fait assez de pub 4 mois sans alcool. Histoire que les gens me voient un peu normal quand même. On n'a pas le même ça. Moi, c'est club, cigarette et populace. On s'adapte. C'est le camp des saints. C'est pas grave, on va avoir l'intervention de de l'invisible. L'inconnu qui dit l'inconnu. Et je vais venir avec ce nom pour ça, je suis sûr.
Tout le monde a raté. Dans les régionales, oui, on a. Vous y avez goûté. Mon bâton. On aura bientôt besoin. Les chéris, si tu trouves un magasin. À l'oligarchie, policiers, vous marchez avec nous dans les rues de Paris et de France depuis 5 ans. Je pense que la situation s'arrête. Bon, bah, j'espère que vous avez un peu entendu. Là, je pense que c'était un peu mieux. Malheureusement, on est en train de bouger, on est en train de remonter la manif. Et il y a plein de gens encore avec les tambours et les mégaphones. Bon, je me dépêche. Parce que David, il a foncé, il est tout devant. Bon, j'espère qu'au moins vous attendez un minimum et qu'au moins vous pouvez voir les images aussi, c'est le plus important. C'est vachement froid en fait et il pleut aussi, donc c'est pas évident. N'hésitez pas à faire les commentaires par rapport à la qualité du live, hein. C'est super important pour nous. Protéger les poignons, bougez, manipulez, parlez, merguez-les, bougez, manipulez, parlez, merguez-les. C'est bon. Ouais, cherche la cassette. Bougez, pas cette police, je ne conseille pas. Donc là, il y a un peu de police à éviter. Protéger, hein, protéger, protéger nos enfants. Protéger, protéger. Merci Alain, c'est super sympa. Ouais, cherche le magasin. On avance un peu, hein? On avance un peu, hein? On avance un peu, c'est... Ah, on n'a pas là-bas. Bon. Oh, il n'y a pas de magasin là-bas. Il n'y a pas de magasin là-bas. Non. Ouais, on est en train de chercher un petit magasin pour un repitaillement. Le soldat Leloup a besoin de munitions. Ouais. T'aimes bien ça? Vous saviez à quel point j'ai conquis tous les cœurs, un paquet de culs, un truc de malade. En plein qu'il y a surtout certaines nanas qui pensent avoir de la spiritualité ou quoi que ce soit, une dominance sur moi. Quand je gueule, ferme sa gueule, c'est plus pensable. Là, il me faut pas de lycéro féminine, il faut de la virilité masculine. Et hein? Tu veux des gars, du muscle. Ouais, les nanas, ça gueule trop, ça perd de tout, ça fait toujours chier sur tout et n'importe quoi. Ça joue sur les mots. C'est pas le moment, quoi. C'est le moment où les femmes, si elles n'ont pas compris, nous, on est en train de tout sacrifier, quoi. Donc ta gueule, quoi. Tu vois, il y a certaines réflexions, certaines choses, vous les gardez pour vous. Tu vois, c'est tout, parce que ça tue tout, ça détruit. Ça détruit l'envie de vous protéger, de vous chérir. Vraiment, des fois, vous avez des mots. C'est plus terrible que les poings. Donc, faites attention à ce que vous dites. Et à qui et comment. Ça, c'est vrai, il a bien raison. Hein. Je suis... Bon, allez, on traverse. Ouais. Hop. Fais attention quand même. On n'a pas de magasin. On passe pas écrasé. Il n'y a pas une petite supérette, là, quelque part, là? Tiens, bah attends, là, hein. Non, là, il n'y a pas. Bon. Mais chez les riches, chérie. Mais chez les riches. Non, mais en fait, c'est pour revenir.
Là, le game a été totalement accéléré. Méfiez-vous méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous de vous-même. Parce qu'en fait, en ce moment, il lance des pensées qui ne sont pas les vôtres et vous êtes déjà pris sous contrôle. Parce que grâce à la poussière intelligente, qu'ils appellent la poussière de Sahara, ils ont pris le contrôle de nombreux esprits. Et là, c'est l'un de notre discussion. D'accord, okay. C'est intéressant. La reine rouge est là. Très puissante quand même. En train d'évaporer son parfum. La goûté au parfum, c'est les violents. Pourquoi est-ce qu'il est violent? Vous savez, on peut vraiment avoir confiance en eux. Ils parlent pas. Ah, c'est pas la même chose. Ah, là, j'ai une chose intéressante, c'est la perte de mémoire. Oui. Ils retravaillent le cerveau et votre âme. C'est les gens à vous leur montrer leur poulet. À mon avis, elles essayent toujours. Dans une personne qui essaie toujours de dominer, quoi. Je dirais, ce que tu fais, ça va bien, comme tu réagis. Mais merde, fais ce que je fais, ta gueule. Il subit, là, je viens de faire ma femme, on casse les couilles, quoi. Ta gueule, car tu te plains. J'ai pas envie de les entendre, je peux me les dire plus tard, mais pas le jour de l'enterrement, quoi. Un peu de respect. Et après, ça c'est comme des gens, on va chier. Et tu veux que je sois sympa, que je te laisse en plus la chatte, le téléphone, bien sûr que tu vas te faire mort. À un moment donné, on ferme sa gueule. J'aime chez les flics, ils savent fermer leur gueule. En plus, c'est vrai. C'est vraiment leur qualité. Ils savent quand ils doivent parler, comment parler. Hein? Non, j'assure. Les gilets jaunes, c'est insupportable. Certains, c'est insupportable comment vous parlez. Ça tue tout, vous êtes en train de crier Sodome et Gomorre. Pas oublier que mon nom de famille donne aussi l'aigle et surtout l'angel. Alors toi, je suis l'ange de la destruction de la vie. Hein. Tout est pas que la manière, c'est pas en lichant les potes. Hein. Je supporte pas la manipulation. Remercie tous, c'est tous sauvé. Ça, vous êtes pas prêts. Sans j'ai oublié comment gagner du pognon s'il y avait même. Facilité 20 balles. Ça, c'est mon ancien quartier. Alors, sur le chat, il y a des gens qui disent qu'on préfère le loup ange. Là. Hein? Non, préférer le loup, la voix du juste milieu. La voix du juste milieu. Juste milieu. C'est bien vrai d'ailleurs ça. C'est tout. Oui, parce que la justice, la vérité est toujours au juste milieu. Il faut de tout. De la beauté, de la laideur, de l'amour, de la colère. Exactement. De la haine, c'est la vie quoi. Toujours à contrôler. On contrôle rien. Sauf ta propre destruction. T'as trouvé ta boutique Non, on n'a pas trouvé de boutique malheureusement.
Bonjour Yaya. Vous faites un live? Ouais, c'est un live là. Sur YouTube? Sur Facebook. Sur Facebook. Non, mais j'étais en train de réfléchir. Il a acheté un beau dessin, vous le verrez dans la vidéo sur le départ. C'est pas un beau dessin. C'est une œuvre. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre, bah bien sûr. 20 euros qui vaut plus d'un millier d'euros. Et en plus, je vous le dis, vous allez. Vous offrez des bijoux devant vos trucs à 20 balles. De l'or. Et ça bouge pas. Ouais, c'est comme vous me traitez. Ah, ça c'est vrai. Tu parles là? Je parle, oui, oui. Mais moi, je tiens rien, tu vois, regarde. C'est pas mal cette technique. Hein, tu vois, voilà, attends, je vais vous montrer. Voilà, regardez la technique. Voilà. Ah non, c'est juste en train de faire des taxi sur YouTube. Voilà. Merci, les amis. Live de David et ton live. Gens, ils ont perdu 10 000 euros, ils sont trop cons. Combien de personnes là? Bah en fait le problème c'est que le compteur en fait il est bloqué à 30, mais je sais qu'on est beaucoup plus que 30. Bah oui, ouais. Hey, n'oubliez pas de partager. Merci pour tous ceux qui aiment faire un don d'usage qui est juste en dessous. C'est David le plus stratégique, Lydia. Lydia. Ouais, même un euro a fait des efforts. Voilà, c'est le nouveau. C'est Alban. Je vais rentrer chez moi. Alban. Les prénoms, je me souviens. Voilà, Alban, le liveur de. Le loup. Du loup. Il y a un caméraman. Non, mais ça m'a coûté une fortune. Moi, c'est trois derniers mois et moi. Une fortune. 66 en live. Ah, on est 66 en live. Hein? On est 66 apparemment. Fais gaffe, c'est dans le couloir là. Ah oui, oui. Fais gaffe, restez sur un peu à droite parce que tu vois, une bagnole est dingue. Ouais. Il remonte là avec tout en l'air. Fais gaffe de des fois par derrière. Ok, merci. Là, ok, parce que moi c'est bloqué à 30 depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas d'épicerie depuis tout à l'heure. On aimerait bien se munir de munitions, si vous voyez ce qu'on veut dire. Tranquille, hein, la police est là, vous voyez. C'est assez pacifiste, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Sauf 2-3 débiles. Peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Mais voilà, qui crient dans le mégaphone. Pour pas dire grand chose au final d'ailleurs. Qui prennent l'énergie de tout le monde. Mais sinon c'est quand même assez sympa, ça va. Commence à pleuvoir aussi là. On a tourné en rond. 59. Très bien, merci de vos infos, c'est super. On a tourné en rond. 49. D'accord. L'essence a diminué. Très sympa. Hein? On a fait une boucle. Ah ouais? Pas mal, c'est sympa. Isabelle te dit dans le camion de la police, il y a des munitions si tu veux, il y a du stock. Hein? C'est une blague, comment on charge les munitions? Ouais, j'ai pas compris. C'est pas grave. En ce moment, je m'en capais du haut. Il est sur le terrain, il est concentré. Il m'a trop fait chier, donc je manque d'humour. T'inquiète pas. Je vais montrer un petit peu. Ah, je vais voir Manuela d'ailleurs. Très sympa. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une promenade. Hein, hein? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on se promène. Il n'y a pas un petit carrefour là-bas, là, je vois. Un petit carrefour. Ah, carrefour. Je crois qu'on a repéré une petite épicerie là. Bon, je vais repasser ma caméra sur moi. Je passe ma caméra sur moi en attendant parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à filmer. Bon, j'espère que ça vous plaît. C'est un test hein, pour nous. On essaie quelque chose, voilà, pour nous. Voilà, bah, sinon, je ne sais pas quoi vous dire, à part que j'espère que le son n'est pas trop mauvais. Bon, putain, je le dis, mais bon. Ah, David est là.
Ça va, David, quand même? Ouais. Mais arrêtez de nous demander si ça va. Oui, je vais bien. Non, mais les gens, quand même, quand t'as poussé ta petite gueulante, bon, ils ont aimé ça, hein, faut pas croire, hein, ils ont aimé. Je vais toujours bien, soldat, toujours prêt. Vous avez entendu, il est toujours prêt. Tu peux pas m'accompagner, tu t'as non. Parlé. Tu peux me prendre une bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci. Oh, c'est nouveau, ça. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau? Un brouilleur. Non, ce serait pas un brouilleur, parce que un brouilleur... effectivement, on verrait pas l'image. Ce serait trop, trop flou. Mais par contre, pour le son qui sature, ça, c'est pas, ça vient pas de brouilleur. Hein. C'est simplement qu'il y a trop de bruit, plus le vent. Ça, voilà, le micro pète un câble, quoi. À moins d'avoir du matériel professionnel, mais là, c'est pas le cas. Là, il commence à pleuvoir. Je vais essayer de me mettre un petit peu en dessous. Là, il commence à bien pleuvoir. Hein. Donc là, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait, bah, on attend le loup qui se prend une petite bière, là. Et voilà, les gilets jaunes sont là-bas, je vais vous montrer au loin. Voilà, donc on a pris un petit peu d'avance. Ouais, là, juste là-bas. Ils sont là-bas. On a pris un petit peu d'avance. Mais c'est bien, là, on est un peu à l'abri parce que franchement, il y a pas mal de pluie. En plus, avec le vent. De toute façon, c'est la période hein, du temps qui change. Hein. C'est nickel, super. Bah, sinon, prenez soin de vous. Vous connaissez tout ça, hein. Prenez soin de vous dans ces temps difficiles qui nous attendent. Bon, pour être honnête, on est déjà dans ces temps difficiles. Hein. Mais prenez soin de vous, surtout prenez soin de vos proches. Comme dit souvent le loup, n'essayez pas de juger, ne prenez pas de personnel. Vous connaissez la chanson. Il n'y a pas. Ah, voilà. Mince. Ça, c'est embêtant. Alors regarde s'il y a peut-être devant, il y a peut-être une autre épicerie. Ouais, c'est là-bas. Merci beaucoup. Oui. On fait ce qu'on peut. Alors il y a eu une averse et d'un coup ça s'est arrêté. C'est incroyable. Le courant. Je disais tout simplement, il y a eu une grosse averse et d'un coup ça s'est arrêté. C'est le temps... Le loup, il est parti, il est rentré, hop, il pleut. Il est revenu, hop, il pleut plus. C'est ça? Oui. C'est ça la chanson? T'as toujours pas compris, connasse. Attention, il y a une dame avec la poussette. Tu vas me faire chier. Oui, vous inquiétez pas, aujourd'hui, c'est une manif vraiment tranquille. Hein. Je pense qu'il va rien se passer. C'est vraiment une promenade, hein, pour le coup. Oui, c'est une vraie promenade. Puis les policiers sont très... Ah, ils affichent un sourire, rigolent, ils blaguent. C'est que des loups. Ouais. Mais ils sont en train de regarder. Alors tout à l'heure, tu l'as dit... T'entends pas, là, il va qu'on les attende. Attends, parce que ça, c'est important. J'aimerais que tu le dises aussi pour le live. Parce que tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé. Mais redis ce qu'ils ont comme écusson. Parce que ça, c'est pas mal, ça aussi. Mais il n'y a que des loups. Voilà. Des loups-garons. Ils ont un petit écusson de loup. Oui, mais là, je crois qu'on est... Hein. Bon, on avance. On avance, on y va. On essaye de trouver une petite épicerie. C'est pas plus mal, comme c'est un peu plus de calme. Tu as un joli message d'Isabelle qui te dit que si tu passes sur Toulouse, elle serait prête à t'héberger. Bah écoutez, dès que je viens à Toulouse. Peut-être, voilà. Le message est passé. De toute façon, je vous dis toujours où je vais. Oui, il est chargé parce qu'en fait, il part directement après, il rentre chez lui. Et il a, tout à l'heure, pour ceux qui ont vu... Je suis pas chargé, j'ai un tout petit sac. Bah, t'as un sac et t'as un autre sac. Et l'autre sac, c'est un sac, une œuvre d'art. Ah, voilà, c'est un chef d'œuvre, ouais, c'est vrai. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. 20 euros, j'ai vaut des mille. C'est vrai, magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu, au début du live, vous verrez. Les gens savent pas qui c'est Derek. Marque de culture. Ah, attends, il y a Manuela qui nous parle. On charge les bières.
Non, il n'y en avait pas, malheureusement. T'es sérieux? Non, il n'y en avait pas. Ah bon? On est dans le quartier des riches. On est en train de chercher les munitions. Tu sais qu'il faudra que je change de terme, parce que si ils regardent la vidéo, là, les bleus, peut-être mal le prendre. Ah, peut-être qu'il y en a une devant. C'est quoi, non ça, là-bas? Donc, ça, c'est un café. Non, c'est pas ça. On va continuer tout droit. C'est quoi ça? Non, ah, le problème, c'est qu'Isabelle, on n'a pas vraiment le temps, parce qu'en fait, on est en manif, c'est juste qu'on a un peu d'avance. Je vais vous montrer derrière. Vous voyez ? Je sais pas si vous voyez très bien, c'est juste là. Hop là, pile là. Les camions et tout ça. Donc bon, voilà. On a pris un peu d'avance, histoire de faire les provisions. Mais on trouve pas. On a trouvé un petit carrefour et il n'y avait pas. Après on va vers où ? Ah ouais, je suis d'accord, c'est une bonne météo pour chocolat chaud. C'est clair. Aux habitants. Mais il doit sûrement avoir un petit tabac là. Là le truc rouge, je suis là-bas. Soutien et courage à Manuela de la part de Lily. Ah, merci beaucoup ma chérie. Ouais. Je t'aime. T'as beaucoup de messages, hein. C'est gentil. Ils t'aiment beaucoup. Ils sont adorables. Bah ils s'inquiètent hein, pour. Voilà. Normal, c'est une salope, c'est un miracle. Oh là là, là. J'ai dans ma production. Toujours à se plaindre. Un vrai film porno. Qui? Toi? Moi? Ah, MDR. Hey, il m'a pris pour Emmanuel aussi, là, sur le fauteuil en osier là. Ouais, je suis pas Emmanuel moi. On peut pas Emmanuel hein. Oh, c'est Manuel là. Bon, c'est étrange parce qu'il y a plein de magasins, pas d'épicerie. Là, donc toutes les cartes ont été redistribuées. Nous sommes bien en guerre. La nuit des saints a bien commencé. Et tu as dit la nuit des saints? Le camp des saints et la nuit des saints. D'accord, le camp et la nuit des saints. Et le camp des saints, c'est un livre. La nuit des saints, c'est. Une allégorie. Une allégorie, exactement. Après la nuit, il y a le jour. Deuxième arrondissement. Le monde n'a pas de magasin. Il y a que dalle ici, c'est bon ça. C'est bizarre, hein. Ouais. C'est dingue. Il y a que des restaurants, des bars, des circonstances. Il y a des circonstances. Vu les circonstances, David il va acheter sa bière où? Vu les circonstances. Ah oui, moi c'est pour ça que j'ai quitté le quartier. Saint. Oui, c'est un peu ça. C'est quoi ça? C'est un métro? Ou un métro? C'est métro en anglais. En tout cas, c'est rempli de gaz. Underground, c'est ouais, c'est métro. Mais ça veut dire aussi l'univers. Ah, l'univers. Ouais. Le crapaud et l'univers et l'underground. Bon, je vais remettre la caméra comme ça. Moi, j'ai l'anglais de la sixième. Hop. L'anglais de la 6ème, alors j'en ai 58, hein. Imagine l'anglais pourri que j'ai. C'est le l'anglais à l'ancienne. Le franglais. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement ça. Il n'y a pas de. Ah, chez moi, par contre, il y en a. Hein. Pas. La porte de Montmartre. Ah, ben t'as cette horreur de bien avoir un truc. Hein. Grand café comptoir. Le grand café comptoir. Là, à gauche, t'en rappelles? Je me rappelle, tout droit et à gauche, il y avait un Franprix. Juste devant. Il faut traverser la rue par contre. Ah oui. Tu te rappelles ou pas? Oui. Putain, je t'avais dit que t'allais trouver quelqu'un. Traverser tout Paris. Ouais. Ils le font exprès. Oui. C'est un long live, mais bon, dans un sens, voilà, ça plaît, les gens restent là, nous regardent, ils aiment tout, donc, écoute, on continue. La cité d'or. Bien, on a suivi Jérusalem Céleste. Ah, t'as pas pris la nouvelle terre. Jérusalem Céleste. D'accord. Elle est là. Ah oui, effectivement.
sais pas si vous avez bien vu l'œuvre qu'il a achetée, vachement belle. Hein. Pour 20 euros en plus, c'est vrai que ça vaut le coup. Bon, du coup, on prend un peu d'avance sur les gilets jaunes, mais bon. À gauche. C'est à gauche, ouais, ouais. Tu vois? Tu me prends une bouteille d'eau, s'il te plaît? Ouais. Oui, c'est pareil. Oh, les petits carrefours. Ouais. Maman, ça existe ça? Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans, là? File d'attente. Ouais. Hey, mais un carrefour un petit comme ça, ça existe. Attends, moi, je rentre juste pour me réchauffer. Bah, il fait froid, ouais. Bon, je vais mettre la caméra comme ça. Bon, ils sont partis faire les provisions. J'espère qu'il va trouver ce qu'il recherche quand même. La bière. La bière, c'est ça. Je me disais, est-ce que je le dis, je le dis pas. Bon, allez, la bière, on y va. La petite boisson. La petite boisson, énergisante. Voilà. La potion magique. Bon, bah voilà, hein, c'est... Alors, on est dans quel quartier exactement là, tu sais ou pas? Le 9e. Le 9e. Moi je sais pas du tout. Hein. Dans le 9e. Hein. Bon, on est dans le 9e quelque part, voilà. Ouais. Je sais pas, parce que moi je connais pas trop, mais ouais. Je connais. Mais les noms, non, je ne sais pas. En fait, moi je connais, mais je retiens pas les noms, donc. Voilà. C'est vrai qu'en plus, tout à l'heure, je sais plus qui avait dit dans le chat qu'il y a un problème de mémoire. Je sais pas si ça a marqué ça. Les gens ont un problème de mémoire en ce moment. On passe un peu sur le live. Ça va? Coucou! Ah ouais. Grand boulevard, exactement. Grand boulevard, on dirait. C'est ça. Ok. Grand boulevard. Super. Bien joué à vous. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, y a, en ce moment, c'est vrai que j'ai remarqué aussi dans les proches, y a, les gens ont des tendances de perte de mémoire, qui est assez étrange, je le trouve. Donc, bon, là, les gilets jaunes sont à quelques mètres. Nous, on est en train de faire la. Pour ceux qui se demandent pour la position, ceux qui arrivent sur le live. Ne vous inquiétez pas, David est toujours là. À mon avis, tout à l'heure, il fera un petit speech encore aux policiers. Là, en ce moment, les policiers sont vraiment tranquilles. Ils rigolent même aux blagues. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir. C'est une petite promenade, hein, comme on dit là. Donc voilà, voilà. Tarde un petit peu, hein, quand même. Bah, sinon, je veux dire la même chose que tout à l'heure, hein, prenez soin de vous, encore une fois. Surtout en ce moment, c'est... Je sais, compliqué pour beaucoup de personnes, donc prenez soin de vous. Faites au maximum ce que vous pouvez. Comme David dit aussi beaucoup, ne prenez pas le personnel, n'essayez pas de juger, ce genre de choses. C'est des choses que vous savez sûrement, hein, mais qu'il faut répéter. Comme d'ailleurs en face, ils font la même chose. Hein, ils nous cassent la gueule encore et encore. Bah, c'est un peu la même chose. On doit ancrer ces messages en nous. Exactement, c'est le cas maman tempête. Ça vient des champs de traite. Peut-être, je sais pas. Moi, c'est un sujet que je connais pas assez. Je connais un petit peu, mais pas assez. Salut, Stéphane, comment ça va? Donc là, pour ceux qui se demandent ce qui se passe, on attend le loup, hein, qui est en train de faire, en train de chercher sa petite bière. Donc voilà. C'est un peu toujours la même chose, hein, pour ceux qui connaissent un peu les manifestations. Donc voilà quoi. Voilà, il est là. Ça va? Hop. Ouais. On va faire chier les gens.
Manuela. Manuela, tu peux demander un service. Tu peux mettre ça dans mon sac, s'il te plaît. Super, merci. Je vous aussi, parti. Hop, c'est parti, on va suivre le loup. Il est foncé, il est parti. Il est là, vous inquiétez pas. Il est là, oui. Diplomatique. Oui, Manuela va beaucoup mieux. Elle reprend un petit à petit. Non, à la guerre ! Ça sent bien avec l'armée rouge. Il est tout bon. C'est que le début. Messieurs, vous rendez pour vos courses, arrivez à manger correctement, équilibré. 5 fruits et légumes, de la viande, du poisson. Vous avez réussi à Moi, je travaille, c'est la vie. Avec eux, c'est qu'on parle la même langue. C'est un truc de fou, mais ça comme ça. Hein, chéri, on parle la même langue. On se comprend tous. Hein. Il y en a d'autres aussi, c'est comme ça. Avec Manu, c'était comme ça, mais hein, c'était exceptionnel. J'aime pas ça, moi, les commémorations. Voilà. Moi, Manu est la plus puissante aujourd'hui au-dessus. Croyez-moi, on va intervenir. Personne dans ma vie qui m'a aimé, c'est bien vraiment. Ah mais ça peut-être que j'ai ça c'est peut-être génial. Moi je faisais la même chose. J'acceptais la même chose. On va communiquer comme ça. J'avais besoin d'une sœur, elle avait besoin d'engueulade. Et aussi de douceur. C'était un duo complémentaire. Ouais, on était très complémentaire. On avait la même passion pour les donner kebab et les hamburgers. Manu, elle était heureuse que si je l'emmenais pour faire un hamburger. J'ai vu que la grande guerre a commencé. J'adore mon phrase. Tu m'inspires bien. C'est Camille, hein. J'ai pas besoin de parler.
n'a pas besoin de parler, il se comprend. C'est vraiment... même à l'ultra-gauche, tout le monde le sait. Il parle... C'est visible. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il parle dans le non-verbal? C'est-à-dire que... La communication non-verbale est extrêmement importante avec la police. Même plus importante que la communication verbale. Parce qu'elle reste toujours formelle. Républicaine. Merci Rose Rouge, je dirai le message. Hein ? Il y a Rose Rouge qui te donne, qui te dit de ses condoléances pour Manuel. Oui, mais c'est bon, on passe à autre chose. Mais quand... Ok. S'il vous plaît. Je m'occupe de mon deuil. C'est bon. C'est bon. Merci. Mais en tout cas, merci à tous pour vos messages. Ça ira, je sais. Voilà, moi je pense pas comme vous, je ne réagis pas comme vous. Donc, je suis déjà debout sur la route. Regardez, il m'admire pour ça. Comme les pieds cassés de la mâchoire. La vidéo à Châtelet. C'est pas grave. Je ne comprends jamais rien. Donc, il y a tellement de commentaires que les gens comprennent. Donc, c'est pas toi, moi. Effectivement, Rose, excuse-moi. Un peu pour éviter les tambours. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec ce bruit. Hein. De toute façon, on va pas tarder à y aller. Parce que moi, j'ai mon train quoi. Ouais, on va bientôt couper hein. Hein? Tu veux bientôt arrêter? Ça éteint? Non, pas encore, mais tu veux? Ah. Non, mais on va pas tarder. On continue un petit peu. Je pense que ça suffit, t'as dû interroger des gens quand même. Un petit peu. T'as perdu ta virginité? C'est sa première fois en live avec le loup. Qu'est-ce que tu racontes ? Il s'est fait déflorer. Alors, tu entends des choses. Alors, heureuse, satisfaite. Non, mais il y a quelque chose, hein ? Bah, c'est une critique. Comment ça, critique ? Je me satisfaite. Non, mais vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Vous avez vu comme je suis traité. Le sac, vous inquiétez pas, c'est une amie de Manuela qui est là. Mais merci pour le commentaire, c'est gentil.
On va pas couper tout de suite, hein. On va couper dans pas longtemps, mais oui, on va. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont été présents, les commentaires. Vous avez été super sympas. Et puis voilà, on continue encore un petit peu. À chaque fois qu'on passe ici, je lui dis regarde ton bar. Regardez, il va s'énerver un petit peu. Hey David, c'est ton bar. Hein? C'est ton bar. Je fais plus les barbes. Ça va, il a bien pris la dernière fois, il s'est énervé. Faut bien un peu le chatouiller quand même. Le machin a été annoncé à Drancy sur tes grands panneaux. Tout a commencé. Oui, c'est un ours, mais c'est aussi pour ce que représentait le bar. C'est pour ça que je faisais ça. Hein? Non, je disais que je faisais une petite blague par rapport au bar. Parce que là, en fait, la dernière fois, je t'avais dit, regarde, c'est ton bar, et tu t'étais énervé. Tu disais, ah non, c'est pas mon bar. Non. Ah. Tu cherches un bagarre? Bah oui, surtout en live. Et en plus, tu cherches un bagarre. C'est vraiment ça qu'on fait en live. C'est vrai. Non, alors vas-y, continue. C'est compris ou c'est pas compris? Oui, des squatteurs. De quoi? Des squatteurs dans l'appartement de Daniel Marie. C'est vrai, j'ai pas de mal. Je suis pas une belle joyeuse, moi. C'est compris ou c'est pas compris? C'est toujours un point central. Bonjour Julien. Bonjour. La 26, la 26. Ouais, ouais. Ouais, tu le... Hein? Ouais. Oh non! Je suis invité des amis. Ah ouais, comme ça? Rue Saint-Rome, Boutelier, pour des demoiselles. Ça y est, quand tu passes ta coupe, tu vas un peu de cousin, un peu de boule d'amusant. Là, là, l'habitude, c'est de l'humour, vulgaire, mais de l'humour. Ah, pour la propreté, je préfère tout, ça. Ouais, j'ai une relation ici. Il est, vous inquiétez pas, il est juste là. Hop, vous voyez. Vous inquiétez pas. Merci pour ceux qui ont remarqué ça, c'est vraiment sympa. Ouais, bon, ben, et qu'elle arrive. Ouais, parce qu'il faut aussi qu'il charge. Eh ben, tu vous charges moi à la gare. Oh non, gare de l'Est. Gare de l'Est. Oh putain, mais t'as intérêt de partir là, hein. Non, on est pas loin. On est juste à côté. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis, putain, les gilets jaunes. Comme ça, c'est on est arrivé à la gare de l'Est. Ah, ça y est, je suis déjà à la gare de l'Est. Exactement. Attends. C'est vrai, ouais. Depuis qu'on en cherchait, maintenant, on est partout. Bah vous donnez beaucoup de travail. On adore. On n'aura pas fini la vie. Je sais, chérie. Mais moi, c'est un voyage à tous les risques. Ouais, tous mes risques, comme d'habitude. Il y a un meuf, chérie. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu devrais attacher toi-même tes munitions. Ton masque à oxygène, à ce moment des clopes.
je pourrais l'économie de rondelle, de rondage. Tatou au cul, la queue des loups. Non, il a très bien compris l'exagération. C'est ton pote derrière. Ben, elle était meilleure quand je l'ai sortie. Là, j'étais bien. Comme vous savez me mettre, tu sais. Je vous sers votre petite perle. Vous avez du monde sur les réseaux là ? Non, pas beaucoup. Pas 50, beaucoup, hein. 60. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Facebook. Facebook, ouais. Non, c'est pas ça que. Moi, j'ai fait énormément. Tu sais, je préfère la qualité à la quantité. Les gens qui regardent très bien les actions, il y a d'autres gens. Enfin, et comme la vidéo, elle a enregistré les. Ben. Vous êtes sur toutes les valises, quoi. Non. Absolument pas. Ça faisait 6 mois que j'étais pas là. Ah ouais? Je suis là à tous les manifs importants. Ouais, ça fait 6 mois que j'ai quitté la brevet. Tu sais que là, pour la mort de ma femme, ma compagne qui m'accompagnait tout le temps qui filmait, franchement, ils étaient plus des hommes. Non, la bravème, des fois, c'est pas cool. Hein. C'est des mecs. C'est des loups. Enfin, des abeilles maintenant. Pas vu que ça pique. Son gros dard. Vous avez quitté la bravème, mais maintenant, c'est quoi? Monsieur. Tous les 300 ans, qu'est-ce qui vous retient? Ça fait trop d'années qu'on est là. Qu'est-ce qui vous retient? Bah, moi, j'ai toi. Plus rien. Maintenant, j'ai plus rien. Ah ouais, non, moi, j'ai plus rien. Ouais, et après, j'ai les Black Band. Ah, c'est vraiment les bleus. Parce qu'en fait, moi, je ne manifeste jamais pour les gilets jaunes. Je viens vous voir. C'est vous qui me donnez les. Ah non, mais sérieux, il y a pour eux. Ils sont mis au courant. Il y a pour les bleus. Hein. Les jaunes, ils sont. Voilà, votre. Hein. Le loup s'appelle David alors. Hein? Vous savez pas. Le loup s'appelle David. Ouais, ça n'est pas. Mais tu savais qu'il s'écrit en gros, en gras, à Drancy, le machin arrive. Le prophète d'Israël, là, le vieux grave qui est mort, là, qui a dit buzz. Ça te pas au courant. Regardez-moi, à l'époque, je travaillais. Voilà, monsieur, vous nous dérangez là. Il aime tellement la discussion avec David Gagnola qu'il a oublié d'avancer. C'est pas nous, hein. Ben, c'est lui qui a vendu la mèche. C'est lui le bal, votre collègue là. Je savais hein. Pas. Il y a Lily qui te dit attention, alerte, mets tes mains dans tes poches, cause du froid. Ah, je sais, c'est parce que j'ai le syndrome de Raynaud. Voilà, mais là ça va, Lily, ça va. Ça va, elle va bien. Elle va bien. De temps en temps, je prends mes mains, je les mets dans ma poche. Des fois, j'ai froid comme ça. C'est un peu du syndrome. Ah oui, mais vous savez, souvent dans la police, avec David, ça se passe très bien. Hein. Ils me disent un nouveau copain, policier, un nouveau copain. Je leur dis, vous savez, avec David, ça se passe souvent très bien. Hydrothérapie, c'est dans le cul.
voilà, entre temps, la manif nous rattrape un petit peu. Ah, c'est un message pour David ou Manuela ? Ça marche Alain, pas de soucis. Ah. Bon, David ? Ouais. On fait une petite conclusion, tranquillou ? On avance un petit peu, on fait une petite conclusion ? Ouais, parce qu'on va arriver à la 7. On va... Attendez deux secondes, je sais que le 4 n'est pas bon. Hop, désolé. Écoutez, on va faire une petite conclusion de ce live. Pour nous, c'était vraiment une première. J'espère que ça vous a plu, malgré les problèmes techniques. J'imagine de son, un peu d'image parfois. Et puis voilà, je vais laisser le dernier mot à David qui va faire son discours, ses annonces et tout ça. Voilà, je vous laisse avec lui. Ouais. Bah, y a pas d'annonce. Ding, ding. Non, en fait, les choses ont été déclenchées. Tu veux pas? Donc, les choses ont été déclenchées. Merci vraiment pour tous ceux qui peuvent m'aider, David Leloup, Lydia, parce qu'en fait, j'ai pratiquement personne. Mais ça m'arrive, j'ai pratiquement jamais personne. Voilà, il me faut quand même de l'aide financière. Par contre, le combat ne fait que continuer, commencer. Là, nous changeons tous de niveau et de conception. Il y a des nouveaux contrats. Là, je voulais vous montrer dans cette petite manif à quel point les Bleus même ils me respectent. Sachez-le, même il me respecte, elle me craint. Bah ouais. Donc on continue. Hein? Tout a commencé. C'est de plus en plus visible. On va perdre énormément de monde. Soyez prêts. Voilà. C'est pas alarmiste. C'est qu'il faut que vous soyez prêts. Préparez-vous juste un tout petit sac et voilà. Vous savez très bien que vous devrez tout laisser derrière vous. Absolument tout. Voilà. La Maison France est en feu. Bisous. Bisous. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Bonne fin de journée à tout le monde. On se tient au courant. À la prochaine. Salut. Salut David. Bisous.